portrait sur Europe 1. Emmanuel de saint etienne Serge de Reims, Pascal de Paris sont tous trois fidèles à nos rendez-vous et souhaiteraient vous entendre parler de grands historiens en général et de Michelet en particulier. Bonjour Franck. Bonjour Bénédicte. Bonjour à tous je ne sais pas si pascal serge et emmanuel ont lu l'ouvrage qui m'a inspiré cette émission mais si ce n'est pas le cas je leur conseille cette série de leçons au collège de france du grand historien lucien fèvre à propos du maître de l'histoire de france jules michelet la librairie vuibert vient de rééditer ces leçons sous le titre michelet créateur de l'histoire de france et pour nous en parler et pour essayer de de toucher du doigt le personnage d'une certaine manière, j'ai demandé à un autre historien, Laurent Tays, de se joindre à nous. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Irène sur les origines de la serrure. Et il faut préciser que Irène est justement prof d'histoire. <laughs> Voici une émission d'hommage aux historiens, je vous rassure, elle est ouverte à tous. Histoire. Les grands portraits. Franck Ferrand. Raconter un tel homme est un paradoxe, car Jules Michelet le disait lui-même, Les seuls événements de ma vie ont été mes idées. J'ajouterai, les idées et le style. Il fallait commencer cette émission, je crois par une grande page de Michelet pour vous donner une idée de ce qu'est cet écrivain au-delà de l'historien dont nous allons bien sûr euh, parler. Alors je me demandais quoi vous lire, je n'avais que l'embarras du choix et c'est mon invité, c'est Laurent Thaïs qui m'a tiré d'embarras en me disant « Mais pourquoi ne lisez-vous pas euh, la belle page qu'il consacre à Madame de Maintenon ?» Et c'est vrai, regardez, écoutez ça. On l'a peinte, je crois, à ce moment, c'est « Le grand portrait de Versailles ». Les quarante-sept ans qu'elle avait en 1683 sont finement datés, surtout par l'âge de Mademoiselle de Valois, de six ans, qui se jette entre ses genoux. Enveloppée habilement, ne montrant que ce qu'elle veut, elle est mise à merveille dans une prude coquetterie, un riche noir inondé de dentelles, est-ce le deuil de la reine Tout est douteux. Elle regarde, ne regarde pas. Elle tient une pose, pas trop rose, un peu effeuillée, dont les tons semi-violets s'harmonisent fort, bien au noir. Elle. elle tient une rose, pardon. Elle trône et gouverne comme une reine, comme une gouvernante. Ce qui la relève fort, c'est l'humble dépendance de la princesse, l'autorité qu'elle a et gardera dans la famille d'avoir donné le fouet aux enfants de Louis le Grand. Le point noté par Saint Simon est ici manifeste elle avait de la suite par effort et par volonté mais de nature elle était variable, sujette à de brusques revirements. Ce visage là n'était pas sûr. Il ne révèle en rien la bonté, l'intimité douce, l'égalité d'humeur. Il indique plutôt un esprit inquiet, mobile, qui dira oui et non. Il y a de l'ardeur dans le regard, mais il est dur d'une flamme sèche qu'on voit peu chez la femme, parfois chez le jeune garçon au total. tout est double. c'est le portrait de l'équivoque. Plus je regarde cette femme si peu femme qui n'eut pas d'enfant, plus je sens que les misères de ses premières années, sa situation serrée étouffée. Eurent en elle les effets d'un arrêt de développement. Elle resta, à l'âge où la fille est un peu garçon, elle n'eut pas de sexe ou en eut deux, de là une certaine masculinité de l'œil et de l'esprit, elle avait été jusque là pour le roi un docteur, un prédicateur, c'était comme son directeur dont il faisait une maîtresse. La sensualité du sacrilège, du plaisir dans la pénitence dont il avait goûté au jubilé, se retrouvait ici, sous ses dentelles noires, elle était le jubilé même. Ce funèbre portrait, l'entrée brusque de cette douteuse figure dans le lit d'une morte, est justement la date de l'explosion du midi, des cruelles exécutions militaires sur les protestants. Et pour cause, on est en 1683. Voilà ce qu'est Michelet. Voyez, l'immense portraitiste doublé du moraliste et surtout, bien sûr, cet immense styliste. Alors, comment en arrive-t-on à de tels sommets Je vais essayer de vous raconter. En quelques mots, à grands pas, bien entendu, l'existence du personnage qui est né, qui est né à la toute fin du XVIIIe siècle, Il est né en 1798 dans l'imprimerie familiale, euh, qui était d'ailleurs, vous savez, on était juste à, au lendemain de la Révolution. C'était une ancienne église qui avait été désaffectée, hein, un couvent profané par la Révolution. Son père, Jean Furcy Michelet, était originaire de Lens. C'est à Lens d'ailleurs qu'il avait rencontré sa femme, Angélique Millet, euh, qui était, elle, originaire des, des Ardennes. Il s'était marié en 1795, au moment où, où Jean Furcy euh, était devenu imprimeur à son compte. Seulement, devenir imprimeur sous le directoire, évidemment, ça n'était pas évident. On est à une époque où la presse connaît la censure, bien entendu, et va la connaître bien plus encore à partir du coup d'État de 1799. Inutile de vous dire. Ce qui veut dire que dans la famille, on connaît les difficultés matérielles, les dettes. Et qui dit difficultés et dettes, bien souvent dit disputes. Michelet aura, pendant toute son enfance, vu ses parents euh, se, 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 se disputer. Il est un enfant unique, d'ailleurs. Il faut vous dire que sa mère avait accouché d'un petit Félix, mais qui n'avait pas survécu, et on va voir le rôle de cette ombre sur la vie même de michelet ça, ça a joué je pense sur sa psychologie un rôle absolument essentiel et puis cette mère n'a peut-être pas su vraiment l'aimer comme on dit un peu facilement sa mère nous dit michel de decker une ardennaise n'était pas très douce ni très gaie pieuse austère elle semblait porter toute la misère du monde sur ses frêles épaules et il y a un peu comme dans le texte de, de freud sur, sur léonard de vinci il y a le tout premier souvenir de D'enfance de Michelet, souvenir d'une silhouette sévère dans le contre-jour de la boutique de sa tante Hyacinthe. Il est en train d'être, on est en train de l'habiller, il est allongé sur la table de la boutique et déjà il a ce souvenir et ça lui reviendra comme ça et constamment. Très vite, très tôt, comme toujours les enfants de cette époque, dans les milieux laborieux, on va euh, le mettre euh, au, tr au travail, à l'ouvrage. Il aide son père à l'imprimerie. Il est d'une vive intelligence et d'un courage obstiné. Nous dit Louis Garros. Il faut vous dire que, encore une fois, cette famille est très modeste. Hein. L'hiver, on compte les bûches qu'on met dans le poêle et on en enlève une sur deux. Vous voyez, euh, il est obligé souvent de mettre de côté un morceau de viande pour sa mère, sinon elle n'en aurait pas. Sa mère et, et il se trouve qu'elle est malade. En plus, on déménage constamment, rive droite rive gauche dans le Paris difficile et, euh, j'allais dire, pré-industriel de l'époque. Euh, il faut vous dire qu'en 1800, un décret du premier consul a limité à 13 le nombre des périodiques autorisés dans le département de la Seine. Ça veut dire que, autre, disons les choses, les, les imprimeurs sont au chômage et le père de Jules va s'acoquiner avec une espèce d'escroc. Bref, il terminera en prison, où il va faire un séjour de quelques mois entre 1808 et 1809. Ça, ça a marqué Michelet. Il se rappelle qu'il avait à peine dix ans, il allait voir son père, il entend encore le bruit des clés qu'il poursuivra toute sa vie. Pardon, toute sa vie. Euh, ça ne l'empêche pas d'être un, un bon élève, hein. il va à l'école, euh, évidemment, et puis il a euh, une sorte de... j'allais dire, de précepteur, ce n'est pas tout à fait le mot, mais il y a quelqu'un qui se prend d'amitié pour cet enfant à l'intelligence vive et qui va beaucoup l'aider. Ce monsieur est libraire à Paris, il s'appelle monsieur Mello. C'est lui, notamment, qui apprend à Michelet le latin. N'ayant jamais eu de camarades parmi les enfants de mon âge, il avait bien fallu que je lusse un peu. Dit, euh, dit euh, Michel. Lusse, en l'occurrence subjonctif passé du verbe lire, bien entendu. Et je lui évitais tout ce que j'apprenais, tout ce que je jugeais de mes lectures. Nous parlions ensemble d'histoires anciennes, nous admirions les grandes batailles plutôt que les grandes vertus de l'Antiquité. Un jour, je lui fis chemin faisant l'argument des deux ou trois premiers livres de Justin. Je parlais, parlais, parlais avec plus de feu qu'il appartenait à un enfant de douze ans. Nous avons tous eu, un jour ou l'autre, l'occasion de croiser comme ça de ces petits génies, vous savez, qui vous font l'histoire de la bataille de Trafalgar en quelques minutes. C'est toujours très bluffant. Et l'on se dit, oh, Oh là là celui-là il ira loin List sur Europe 1, un extrait des Préludes, orchestré et dirigé par Herbert von Karajan. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Jules Michelet. Jules Michelet a 16 ans quand en février 1815 meurt sa mère. Elle a déclaré une, une hydropysie en 1812 et puis euh, petit à petit elle s'est immobilisée. Et euh, voilà ce qu'écrit Michelet à propos de la dernière nuit de sa mère, celle du 8 février 1815. Elle avait peine à respirer, elle demandait sans cesse. On la releva sur ses oreillers. Je passais une partie de la nuit à la veiller, en faisant mon devoir du lendemain. J'ai d'ailleurs conservé ce devoir comme un monument de la malheureuse nuit. À chaque instant, je la relevais. Elle paraissait touchée de mes soins. Euh, ça va être évidemment un, un, une grande épreuve pour lui, bien entendu. À partir de là, il est encore plus proche de son père. Ils sont un peu inséparables. Ils vont partager le même logement jusqu'à la mort de son père. Alors, il continue ses études au, au lycée, où il va rencontrer un camarade Hector Porret, avec lequel il a de grandes discussions historiques. Il en avait déjà eu un, un peu avant avec un autre copain, qui s'appelait Paul Poinceau. Euh, C'est très important, ces amitiés d'enfance ou d'adolescence, parce qu'évidemment, ce sont elles euh, auxquelles vient s'affronter une pensée négative. Et c'est en partie ce qui la structure, bien entendu. Euh, il est brillant, brillant Michelet, mais vous ne serez pas étonné que je dise ça. Il est le lauréat du concours général en 1816, bachelier en 17 et il poursuit ses études, licencié en 18, docteuresse lettres en 19, dans une famille extrêmement modeste, encore une fois, mais où tout le monde est bien conscient des qualités exceptionnelles de cet enfant-là. Il sera troisième à l'agrégation de lettres en 1821 et va dès lors enseigner la philosophie, l'histoire. Il est prof. Au lycée Charlemagne et puis il va entrer au Collège de France, s'il vous plaît, avant l'école normale. À partir de 1828, il devient même précepteur royal puisqu'il va enseigner à la fille de la duchesse de Berry. Euh, il est précepteur en 1830 de la princesse Clémentine, la fille du nouveau roi Louis Philippe Ier, euh, tout en étant conférencier à la Sorbonne. Il est d'ailleurs suppléant de Guizot à partir de 1834 et mon invité d'aujourd'hui est le biographe de Guizot. Nous parlerons bien entendu de lui, comme le fait d'ailleurs Lucien fèvre qui consacre de très nombreuses pages à Guizot dans les, dans les leçons que lui-même avait dédiées à Michelet dans ses leçons du Collège de France. Alors, avant d'être nommé chef de la section historique des Archives nationales. Vous voyez un peu cette carrière tout à fait brillante. Euh, évidemment que Michelet s'est mis à écrire et que ses écrits déjà commencent à faire tâche. Mais il y a un autre aspect dont je n'ai pas parlé. Ce sont les femmes. Il a tout de suite, il a très tôt été ébloui par un certain nombre de femmes. Et d'ailleurs, je vous parlais de, de Poinceau tout à l'heure. Il suivait avec lui déjà les femmes dans les rues alors qu'ils étaient euh, tout gamins. Euh, il est d'abord attiré par une voisine, nous dit Paul Petitier. Qui présente, euh, qui présente souvent euh, ces, ces textes. Euh, la jeune Sophie Plateau, en l'occurrence, aux beaux cheveux et aux yeux noirs, mais qui manquent de fraîcheur. Une Esther allume ensuite son imagination fructueuse. Là, il est complètement amoureux de cette Thérèse Tarlet. C'est une vraie passion, mais son père met le hall là. Il y aura en fait trois femmes dans la vie de Michelet. Il y en a une qui s'appelle Pauline, la seconde Françoise, et puis bien sûr, elle est plus connue, la troisième Athénaïs. Michelet les aimera d'un amour dévorant, nous dit Michel de Decker. Il les trompera avec une rivale exigeante, avec cette qu'on appelle la France. Et oui, car peut-être plus que de l'histoire, c'est bien de la France qu'est amoureux Michelet. Alors, un mot de la rencontre avec Pauline Rousseau, qui est fille d'un grand ténor, hein, le ténor Jean-Joseph Rousseau. Euh, elle, elle habite aussi dans, dans la pension, c'est la demoiselle de, de compagnie de la marquise de Rouault. Il faut vous dire qu'elle est nettement plus âgée que Michelet, elle a sept ans de plus que lui, mais elle est jolie, gaie, spirituelle. Le problème c'est qu'elle manque de culture. Ils vont se marier. Assez discrètement, le 20 mai 1824, Michelet a 26 ans, Pauline en a donc 33, il y aura une petite fille, Adèle, un peu plus tard un deuxième enfant, Charles-Édouard, qui naît en, en 29. mais euh, Michelet s'éloigne assez rapidement, il la délaissa assez vite, elle ne parlait pas le même langage que lui, nous dit Louis-Garros. Lui se concentre sur son travail. Il faut vous dire qu'à l'époque, il est en train d'écrire sa fameuse histoire de France. Et Pauline, qui se sent plus ou moins délaissée, se met à boire. Elle va mourir de la tuberculose le 24 juillet 1839. Et là, il y a cet événement assez, assez étonnant. C'est que Michelet, non seulement est parfaitement abattu, non seulement il est très triste de la mort de sa femme, mais il se met peut-être, à partir de sa mort, à l'aimer davantage. C'est presque un amour posthume, d'une certaine manière. Il est sincèrement bouleversé, nous dit Michel de... Il n'a pas su aimer Pauline de son vivant, eh bien il l'aimera morte. Il entreprend de retrouver le souvenir de la disparue en voyageant, en séjournant partout où elle a vécu. Il va notamment faire le voyage de Meaux chez elle. Euh, voyez ce rapport assez étrange qu'entretient Michelet avec la mort, avec les morts, avec leur esprit. Il est de ceux qui aiment peut-être l'esprit plus que le corps. Quoique, nous verrons ce qu'il faut en penser dans un instant, il est surtout de ceux qui ont été tôt bercés par cette idée, par cette ombre d'une mort omniprésente, celle en l'occurrence du frère qui l'avait précédé. Franck Ferrand. Les grands portraits. 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de l'historien Jules Michelet. Alors, évidemment, c'est un historien, c'est un grand auteur qui est en train d'écrire son histoire de France. Je ne vous en parle pas maintenant, puisque nous allons le faire dans un instant avec Laurent Theis, qui s'y connaît bien mieux que moi sur ce sujet-là. Disons, pour revenir à sa, à sa biographie, que cet homme-là. Par ses écrits, mais pas seulement, devient une sorte de porte-enseigne des idées libérales en France, et qu'il va notamment critiquer fortement la politique conservatrice du gouvernement, enfin des différents gouvernements de, de Louis-Philippe. Et puis, il est de plus en plus introduit dans le monde. Il devient le professeur d'Alfred Duménil, euh, qui, alors, euh, Alfred lui a été recommandé par un autre historien fameux, Cheruel, de, de Rouen. Il faut vous dire qu'à l'époque, Michelet est déjà, il est encore jeune, mais par ses publications, il est déjà devenu une sorte de légendes vivantes. Et au bout d'à peu près un an de cours avec Alfred, il va découvrir la maman du jeune Alfred, Françoise Duménil. Et ça va être de nouveau euh, la passion. Il faut vous dire qu'il ne reste qu'un an à vivre à Françoise. Est-ce que Michelet l'a senti <laughs> Toujours est-il qu'il est fasciné par elle. On écrit, nous dit André Billy, on écrit de Michelet qu'il inventa la tendresse moderne. Et cette forme d'amour qui l'unit à Madame Dumesnil ne surprend pas chez lui qui, insatisfait physiquement, devait écrire le 17 avril 1860 dans son journal « Il est plus sensuel d'entrer dans un esprit ». Entre Madame Dumesnil et lui, la passion reste chaste. L'union toute spirituelle. Alors elle est rouennaise, je vous ai dit, elle l'invite à venir découvrir sa Normandie. Elle l'installe dans son château de Vasqueuil, où il va avoir son château, son cabinet de travail. Vous imaginez la tour de défense du XIIe siècle, les bâtiments des XIV, XV, XVIe siècle, un immense parc de 2000 cerisiers. Vasqueuil admirablement frais dans cette chaleur, écrit Michelet. Hautes herbes, adorable négligence, voluptueux désert. Des charmilles se ferment et forment comme des boudoirs de verdure lieu d'intimité, de plaisir, de rêverie, aux Admirables où il ne manque que des signes et ce vieux canapé vert tout usé qui entendit tant de choses. Il est très sensible évidemment à cette dimension euh, des témoignages des, des choses et des objets, objets inanimés, euh, etc. Alors de quoi souffre-t-elle, cette, euh, cette madame Duménil Elle souffre d'un mal freudien, de certains spasmes qui l'empêchent de pouvoir connaître intimement son mari, nous dit Michel de Decker. Elle est contente de me rendre heureux. Elle montre une touchante dignité de Faire tout pour moi, dit très pudiquement, si l'on veut, Michelet de, de son côté. En fait, elle va mourir le 15 juillet 1855, à l'âge de 31 ans. Et là, on peut dire que Madame Dumesnil va être encore une fois. L'objet pour Michelet d'une véritable adoration posthume. C'est-à-dire que de nouveau, il va se rendre sur place, il va essayer de, de, la, de la découvrir, de comprendre qui elle était, de. Il l'aime à titre posthume, elle aussi. Et encore une fois, elle meurt, pardon, je me suis trompé, elle meurt en mai 1842. Il écrit d'ailleurs, c'est lui, c'est Michelet qui écrit à son mari Monsieur, j'ai la douleur de vous apprendre que vous avez perdu Madame Duménil. C'est lui qui va régler les, les frais d'obsèques, etc. Comme il l'avait fait pour Pauline. Il est en quelque sorte un peu le, le mari par substitution, d'une certaine manière. Et puis, et puis, il va rencontrer. Mais nettement plus tard, sa troisième et dernière femme, Athénaïs, Athénaïs à l'arrêt, qui était elle une sorte d'admiratrice. Mon cher maître, je vous ai lu, j'aime, », elle depuis Vienne où elle habitait euh, à l'époque. Euh, il se trouve alors le père de Michelet entre temps est mort, elle le rejoint, elle est toute mince, toute frêle, elle est très séduisante mais elle a trente ans de moins que lui. Il est troublé, il lui demande si elle veut bien l'épouser, et de fait ils vont euh, se marier, ce sera donc ce, ce deuxième ce, ce trois, euh, oui enfin c'est le deuxième mariage de Michelet c'est sa troisième son troisième grand amour et ils vont vivre 25 ans ensemble elle lui fait découvrir elle aussi bien des lieux notamment sainte adresse où il découvre les bains de mer et il va rédiger le 1er février 1872 un testament à Hier où ils, sont, où ils ont l'habitude de passer les hivers J'institue la dite dame, donc Athénaïs, pour ma légataire universelle et je lui laisse et lègue à ce titre en pleine propriété et jouissance tous les biens, meubles et immeubles qui composent ma succession, en quoi qu'ils puissent constituer. Euh, Jules Michelet va mourir terrassé d'une crise cardiaque le 9 février 1874. Il a donc 76 ans. Trois ans plus tôt, lors d'un voyage en Italie, il faut vous dire qu'il avait été frappé d'apoplexie et qu'il était on dirait, nous, aujourd'hui, hémiplégique, il n'est peut-être pas tout à fait hémiplégique, mais en tout cas, il s'était jamais remis de cette première très grave attaque. Alors, il avait demandé à ce que ses obsèques soient très simples. Comme il n'existe presque aucun signe certain de la mort que la décomposition dans plusieurs contrées de Suisse et autres pays, l'on attend et on garde le corps à visage découvert, avait-il écrit quelques jours avant sa mort. Pour moi, je veux être transporté sans cérémonie religieuse au cimetière le plus voisin, avec l'appareil le plus simple. Eh bien, on ne va pas respecter ses dernières volontés puisqu'il est au contraire inhumé au cimetière du Père Lachaise après une très grande messe avec les honneurs nationaux et militaires. Après tout, nous parlons tout de même du père de l'histoire de France. Bonjour Laurent Theys. Bonjour Franck Ferrand. J'ai évoqué un peu de la biographie du maître. Maintenant, nous allons essayer d'entrer dans son œuvre. Et quelle œuvre Franck Ferrand, les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de l'historien Jules Michelet. Alors, évidemment, c'est un historien, c'est un grand auteur qui est en train d'écrire son histoire de France. Euh, je ne vous en parle pas maintenant, puisque nous allons le faire dans un instant avec Laurent Theis, qui s'y connaît bien mieux que moi sur ce sujet-là. Euh, disons, pour revenir à sa, à sa biographie, que cet homme-là. Par ses écrits, mais pas seulement, devient une sorte de porte-enseigne des idées libérales en France et qu'il va notamment critiquer fortement la politique conservatrice du gouvernement, enfin des différents gouvernements de, de Louis-Philippe. Et puis il est de plus en plus introduit dans le monde. Il devient le professeur d'Alfred Duménil, euh, qui alors euh, Alfred lui a été recommandé par un autre historien fameux, Cheruel de, de Rouen. Il faut vous dire qu'à l'époque Michelet est déjà, il est encore jeune, mais par ses publications, il est déjà devenu une sorte de. De légendes vivantes. Et au bout d'à peu près un an de cours avec Alfred, il va découvrir la maman du jeune Alfred, Françoise Duménil. Et ça va être de nouveau euh, la passion. Il faut vous dire qu'il ne reste qu'un an à vivre à Françoise. Est-ce que Michelet l'a senti <laughs> Toujours est-il qu'il est fasciné par elle. On écrit, nous dit André Billy, on écrit de Michelet qu'il inventa la tendresse moderne et cette forme d'amour qui l'unit à Madame Dumesnil ne surprend pas chez lui qui, insatisfait physiquement, devait écrire le 17 avril 1860 dans son journal « Il est plus sensuel d'entrer dans un esprit ». Entre Madame Dumesnil et lui, la passion reste chaste L'union. Toute spirituelle. Alors, elle est roynaise, je vous ai dit, elle l'invite à venir découvrir sa Normandie. Elle l'installe dans son château de Vasqueuil, où il va avoir son château, son cabinet de travail. Vous imaginez la tour de défense du XIIe siècle, les bâtiments des XIV, XV, XVIe siècle, un immense parc de 2000 cerisiers. Vasqueuil admirablement frais dans cette chaleur, écrit Michelet. Hautes herbes, adorable négligence, voluptueux désert. Des charmilles se ferment et forment comme des boudoirs de verdure lieu d'intimité, de plaisir, de rêverie, aux admirables où il ne manque que des signes, et ce vieux canapé vert tout usé qui entendit tant de choses. Il est très sensible, évidemment, à cette dimension euh, des témoignages des, des choses et des objets, objets inanimés, euh, etc. Alors de quoi souffre-t-elle cette, euh, cette madame Duménil Elle souffre d'un mal-Freudien, de certains spasmes qui l'empêchent de pouvoir connaître intimement son mari, nous dit Michel de Decker. elle est contente de me rendre heureux, elle montre une touchante dignité de Faire tout pour moi, dit très pudiquement, si l'on veut, Michelet de, de son côté. En fait, elle va mourir le 15 juillet 1855, à l'âge de 31 ans. Et là, euh, on peut dire que Madame Dumesnil va être encore une fois. L'objet pour Michelet d'une véritable adoration posthume. C'est-à-dire que de nouveau, il va se rendre sur place, il va essayer de, de, la, de la découvrir, de comprendre qui elle était, de. Il l'aime à titre posthume, elle aussi. Et encore une fois, elle meurt, pardon, je me suis trompé, elle meurt en mai 1842. Il écrit d'ailleurs, c'est lui, c'est Michelet qui écrit à son mari Monsieur, j'ai la douleur de vous apprendre que vous avez perdu Madame Duménil. C'est lui qui va régler les, les frais d'obsèques, etc. Comme il l'avait fait pour Pauline. Il est en quelque sorte un peu le, le mari par substitution, d'une certaine manière. Et puis, et puis, il va rencontrer, mais nettement plus tard, sa troisième et dernière femme, Athénaïs, Athénaïs Mialaret, qui était elle une sorte d'admiratrice. Mon cher maître, je vous ai lu, j'aime, », elle depuis Vienne où elle habitait euh, à l'époque. Euh, il se trouve alors le père de Michelet entre temps est mort, elle le rejoint, elle est toute mince, toute frêle, elle est très séduisante mais elle a trente ans de moins que lui. Il est troublé, il lui demande si elle veut bien l'épouser, et de fait ils vont euh, se marier, ce sera donc ce, ce deuxième ce, ce trois, euh, oui enfin c'est le deuxième mariage de Michelet c'est sa troisième son troisième grand amour et ils vont vivre 25 ans ensemble elle lui fait découvrir elle aussi bien des lieux notamment sainte adresse où il découvre les bains de mer et il va rédiger le 1er février 1872 un testament à Hier où ils sont, où ils ont l'habitude de passer les hivers J'institue la dite dame, donc Athénaïs, pour ma légataire universelle, et je lui laisse et lègue à ce titre, en pleine propriété et jouissance, tous les biens, meubles et immeubles, qui composent ma succession, en quoi qu'ils puissent constituer. Euh, Jules Michelet va mourir terrassé d'une crise cardiaque le 9 février 1874. Il a donc 76 ans. Trois ans plus tôt, lors d'un voyage en Italie, il faut vous dire qu'il avait été frappé d'apoplexie et qu'il était on dirait, nous, aujourd'hui, hémiplégique, il n'est peut-être pas tout à fait hémiplégique, mais en tout cas, il s'était jamais remis de cette première très grave attaque. Alors, il avait demandé à ce que ses obsèques soient très simples. Comme il n'existe presque aucun signe certain de la mort que la décomposition dans plusieurs contrées de Suisse et autres pays, l'on attend et on garde le corps à visage découvert, avait-il écrit quelques jours avant sa mort. Pour moi, je veux être transporté sans cérémonie religieuse au cimetière le plus voisin, avec l'appareil le plus simple. Eh bien, on ne va pas respecter ses dernières volontés puisqu'il est au contraire inhumé au cimetière du Père Lachaise après une très grande messe avec les honneurs nationaux et militaires. Après tout, nous parlons tout de même du père de l'histoire de France. Bonjour Laurent Theys. Bonjour Franck Ferrand. J'ai évoqué un peu de la biographie du maître. Maintenant, nous allons essayer d'entrer dans son œuvre. Et quelle œuvre Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Marc Lévy vous parle de son nouveau roman. L'horizon à l'envers. L'horizon à l'envers, parce que c'est un roman fou. C'est l'histoire d'une femme et de ses deux meilleurs amis, étudiants en neurosciences. Lorsque l'un des trois est en péril, ils vont ensemble explorer l'impossible et mettre en œuvre un projet incroyable. C'est un thriller amoureux et scientifique. C'est un roman, je l'espère, émouvant, c'est un roman mystérieux, c'est un roman plein d'humour. J'ai voulu emmener mon lecteur dans un monde qu'il ne connaît pas. L'horizon à l'envers de Marc Lévy. Une histoire d'amour extraordinaire. Un livre Robert Laffont, Versilio. Leclerc. Philippe, t'as prévu quelque chose pour le déjeuner de dimanche? Ah oui, je nous ai pris chez Leclerc une caissette de pavé de rum steak à griller de toute beauté, du bœuf pur, race à viande, la garantie d'une viande de grande qualité et à un prix. Mmh, fondant, goûteuse. Oh, es, C'est bon, tu vas venir par me donner faim. C'est parce que Leclerc vous propose les meilleurs produits toute l'année que du 10 au 20 février, la cassette de 4 pièces minimum de rum steak 3 étoiles à griller, race à viande Origine France, est à 11,49€ le kilo, voire modalité dans les magasins participants. Au fait pour dimanche t'as compté maman Franchement, pour ta mère Ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter. Il y a 17 ans, j'ai connu Chris j'ai perdu 11 kilos. Et aujourd'hui, je rentre toujours dans du 38. Depuis 20 ans, les produits Chris Lord contribuent aussi à favoriser et à retrouver la santé nutritionnelle, une qualité de vie meilleure. Découvrez d'autres témoignages comme Claire aux informations et dégustations gratuites Chris Lord de votre région. Retrouvez-nous sur www.kri2s-lor.com Pour votre santé, bougez plus. Chris j'adore L'ami de votre silhouette Cultura. Pierre Reverdy, grand poète, a dit Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. À la Saint-Valentin, on doit fournir des preuves. Je t'aime, même si c'est pas toujours facile à dire, c'est au mieux, je dirais, un témoignage. C'est fragile, trop fragile. Les femmes veulent du solide, alors mieux vaut ne pas oublier la Saint-Valentin si on veut éviter de se faire exploser, là. La tête par un scud d'amour déçu. Eh oui, Fabrice, c'est pour ça que chez Cultura, toutes les idées de cadeaux sont des preuves d'amour pour la Saint-Valentin. Cultura, l'esprit jubile. Carrefour Market. Oh, désolé, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai un petit coup de boue, moi. Tout va bien, j'ai ce qu'il vous faut, Michel. Chez Market, pour trois produits achetés au rayon café, le moins cher des trois est remboursé avec la carte de fidélité. Oh, mais c'est carrément intense comme promo. Je vous le confirme, mais attention, pour en profiter, c'est seulement jusqu'à demain. Dites donc, pour me réveiller, vous n'y allez pas avec le dos de la touillette. Hein Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Remise créditée sur le compte fidélité, modalité produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand. Le père de l'histoire de France, Jules Michelet, est notre grand portrait d'aujourd'hui. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, Laurent Thaïs, historien et éditeur. Est Ce qu'il y a d'étonnant, Laurent c'est que lorsqu'on parle d'un écrivain comme Michelet, je pense qu'il est... Personne ne contestera son immense talent d'écrivain. Après, pour ce qui est de la dimension historique, on y viendra tout à l'heure ensemble. Quand on parle d'un écrivain comme lui, évidemment, on serait tenté d'entrer tout de suite dans l'œuvre. Mais il est incontestable que la biographie explique un certain nombre des sources d'inspiration, bien entendu. Alors, nous l'avons vu passionnément amoureux de ces trois femmes, avec un amour qui, quand même, est passablement morbide. Quand même, il les aime bien mourantes ou même déjà mortes. Quel était le rapport de Michelet aux femmes Est-ce que je peux vous poser cette question dans l'intimité, il est toujours <laughs> difficile de s'exprimer tout à fait, mais il est certain que, par la connaissance que nous avons de Michelet grâce à la publication de son journal, qui est resté pendant un siècle enfoui, inédit et inconnu, et que sa veuve Athénaïs avait d'ailleurs euh, séparé en petits morceaux afin d'empêcher sa reconstitution, nous voyons se dessiner c'est mieux que de l'avoir fait disparaître totalement à choisir. Euh, oui, euh, mais surtout elle en a réécrit aussi des, des morceaux qui ne sont pas toujours faciles à identifier. Mais on a vu apparaître, au fond, il y a une soixantaine d'années, un Michelet qui était tout à fait inconnu, et de ses contemporains, et de la postérité, notamment de Lucien Fèvre, son successeur au Collège de France. Et nous voyons quelqu'un qui, euh, face, face aux femmes, à quelques femmes. Car ce n'est pas quelqu'un qui court les femmes. Euh, vous avez non, dit sûr, que euh, adolescent, il a fait comme tout oui, le monde. À mon sûr. avis, il en a fait plutôt moins que, que, que la moyenne oui. que d'autres. Mais euh, c'est quelqu'un qui est mal à l'aise. Il est mal à l'aise par son physique. Il y a une description de son ami, faux ami euh, Proudhon, qui parle d'un petit vieillard, sautillant, vaniteux et lubrique. Ce qui n'est pas évidemment euh... <laughs> pas très flatteur. Bon, c'est quelqu'un qui ne paye pas de mine. Il est rachitique, du fait d'ailleurs des privations qu'il a, qu a subies pendant son enfance. Et c'est quelqu'un qui est très complexé. Et vous avez cité Madame Duménil. Évidemment, c'est la figure de la mère qu'il est allé rechercher. Et euh, en cela, il est tout à fait parmi, euh, romantique parmi les romantiques. Songez à Félix de Vandenesse par rapport à Madame de Morsauf dans le lys dans la vallée. Cette quête de la mer, on la retrouve chez beaucoup de ses contemporains. De même que cette pensée des morts a inspiré les plus beaux poèmes de Lamartine, en même temps que les pages les plus superbes de Michelet et de quelques autres. On est en plein romantisme en même temps. Voilà, bien entendu, euh, hein. Michelet a porté le romantisme très tard, très longtemps, dans le 19 siècle. Et le plus surprenant sont ses rapports avec Athénaïs. Euh, il l'a vue comme une femme à la fois euh, objet, idéal, et, euh, comment dirais-je Je J'allais dire animal. C'est quelqu'un qui se préoccupe tous les jours, on le voit dans le journal, de ses sécrétions. Ah oui. Ses sécrétions glandulaires, sa salive, ses urines, ses menstrues, et euh, je vous passe le reste. Et il en fait l'inventaire sur son journal. Et il croit nécessaire pour connaître Athénaïs comme pour connaître l'histoire de France, de pénétrer au plus profond de ses entrailles et d'aller chercher, au fond, une vérité qui se trouve logée à l'intérieur du corps. Oh, c'est tout à fait, c'est très bien décrit, bravo. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de fascination pour le. Comment on pourrait dire Pour le fluide vital, en quelque sorte, hein, pour ce qui innerve le réel, en fait, aussi bien dans l'histoire que dans la vie. Vous savez qu'il décrit l'histoire de France comme le travail de soi sur soi. C'est ça. Eh bien, le travail de soi sur soi, le travail n'est pas autre chose que la grossesse. C'est quelqu'un qui est très sensible justement au processus biologique, c'est quelqu'un qui a lu beaucoup les biologies de son époque, notamment Geoffroy Saint-Hilaire, et il cherche dans l'histoire cette, cette genèse, cette, cette, cette grossesse, cette maturation et cet accouchement. L'accouchement étant pour lui 1830, sauf que cet accouchement va se révéler avorté et que, au fond, les grandes espérances de Michelet, qu'il avait conçues dans sa jeunesse, ont été déçues par les événements. Mais c'est quelqu'un qui, à la différence de ses contemporains, c'est pour ça qu'il est unique, et qui allie le scientifique, l'imaginaire et le fantasmatique. à oui, un moment, évidemment, où le pays est en attente de sa grande histoire, de son roman national, d'une certaine manière. Le pays est en attente parce que la Révolution livre à la société française quelque chose qu'elle ne connaissait pas, c'est-à-dire la nation, qui est autre chose que les royaumes, que les règnes et que les grands hommes. Cette nation qui a été révélée à elle-même en, en quelques années, la génération qui suit celle de, celle de Michelet et de quelques autres, de Guizot, a cela en héritage, en dépôt. Que faire de cette nation qui nous a été révélée D'où vient-elle Qu'est-elle Et que nous promet-elle Où pouvons-nous espérer aller depuis que la nation s'est révélée à elle-même. Alors il va en chercher, la Genèse, très tôt, en suivre les développements, et il le fait comme il surveille sa femme, c'est-à-dire qu'il a des moments où elle va bien, la France. Il y a des moments où elle va mal, la France. Il y a des moments où elle, elle est malade. Et il accentue tout cela, bien entendu. Et naturellement, comme c'est l'homme, des coups d'éclat et des coups de pinceau... C'est de la croix, ça n'est pas ça C'est donc quelqu'un qui euh, euh, en rajoute, en porte pour oui. emporter euh, son public. À quoi il a réussi à merveille. Ah oui, magnifique. Alors c'était s'attaquer à une très très forte partie, bien entendu, essayer de raconter depuis les plus lointaines origines l'histoire de ce pays, de cette France qu'il aime, qu'il aime quasi charnellement, il faut bien le dire. Euh, alors il y avait eu d'autres historiens, il y en a toujours eu, dont certains s'inspiraient directement des principes antiques. Ils étaient historiens à ancienne si je puis dire. Je pense à mézeray, des gens comme ça. D'autres étaient carrément des, des philosophes de l'histoire, comme Voltaire, par exemple. Mais là, il y a chez Michelet la volonté de revenir aux sources. J'insiste là-dessus, parce que pendant toutes mes études, moi, lorsque j'étais jeune historien, on me disait, oh là là, méfiez-vous de Michelet. Michelet était même carrément décrié. C'est intéressant de voir comme depuis une vingtaine d'années les choses ont changé. On est revenu vers Michelet. Mais à l'époque, c'était vraiment le, le diable, littéralement, en dépit de Lucien Fèvre, pourtant. Et euh, je, je me rappelle qu'à chaque fois que j'allais puisé, moi, dans Michelet, presque en cachette, vous vous imaginez. J'étais d'abord ébloui par ce style extraordinaire dont j'ai essayé de vous donner tout à l'heure un, un, un exemple, mais surtout, j'étais euh, favorablement impressionné par la qualité des sources et, et, de, et, de, et des synthèses qui en étaient tirées. Et bien souvent, je me disais, mais qu'est-ce qu'on lui reproche Il est quand même allé chercher les 7, les 8, les 10 documents nécessaires et qui nous. qui assoit ce qu'il raconte. Alors pourquoi cette mauvaise réputation, d'une certaine manière Parce que me semble-t-il, à partir du matériau qu'il a réuni, d'autant plus facilement qu'il est chef de des la section historique des archives, de, des archives royales, à partir de ces matériaux, il construit une histoire qui est tout à fait à lui. C'est-à-dire comme il le dit lui-même, l'histoire de la France, je vais l'écrire comme une, celle d'une personne, comme moi, une personne comme moi. Donc l'histoire de France n'est pas autre chose pour lui que sa propre autobiographie. Et mettez-vous à sa place, Franck Ferrand, un instant, si vous pourriez euh, certainement réserver, en tout cas mieux que moi, vous reconstituez de votre vie des éléments qui sont des éléments d'état civil, qui sont des souvenirs, des photos, etc. Mais la personnalité que vous allez euh, ressaisir, vous allez la tailler, évidemment, à votre main, dans votre regard, et c'est en quoi Michelet est unique, et il produit une vérité qui n'appartient qu'à lui. Il y a même des moments où il fait du vrai, du plus que vrai, ah oui. avec du faux ou quelquefois <laughs> de l'à-peu-près. De Pourquoi il tire un peu, oui. Pourquoi Parce que cet homme est un athlète. Il a écrit 17 volumes un à croire. la main d'Histoire de France. 7 volumes d'Histoire de la Révolution française. 3 volumes de l'Histoire de France du XIXe siècle. Et encore une quinzaine de livres à part. Il faut imaginer ce que c'est quand on n'a absolument aucune bureautique. Quand on n'a pas l'électricité. Ah bien sûr, il n'y a pas de traitement de texte à l'époque. Rien. On y passe sa vie. Comment ne pas penser qu'il en devienne obsessionnel, ah oui. malade et à la fin euh, hanté. Habité complètement hanté. par ce projet gigantesque. Il fait partie de ces auteurs, comme par hasard, nés au 19e siècle, qui vont constamment, enfin, ou à la toute fin du 18e, parce que j'avais donné l'exemple de Balzac, mais en tout cas, qui vont construire des cathédrales littéraires, en quelque sorte. Ce sera plus tard le cas de Proust, évidemment. Voilà. Ce sont des monuments de la littérature française et l'histoire de France de Michelet à travers tous ces tomes, à travers ces développements. c'est un peu comme un gigantesque arbre dont on verrait les, les branches se, se multiplier à, à, à loisir. D'autant plus, d'autant plus qu'il revient à mesure que lui-même mûrit, à mesure que son point de vue change, à mesure que le monde aussi autour de lui change. Après la chute de la restauration, la chute de mars juillet, le second empire. Évidemment, retentissement sur lui. Il modifie ses, ses points de vue. L'amour infini qu'il portait pour le Moyen Âge, jusque dans les années 1842, eh bien, il le transforme en détestation, <laughs> au moins aussi active et violente. Lui. La figure du prêtre, qui était pour lui une, une figure noble dans les années 1840, devient l'objet, l'abjection. Oui, il oui. écrit un livre qui s'appelle Le Prêtre contre les prêtres qui est véritablement aujourd'hui encore frémissant de haine. <laughs> oui, c'est assez étonnant comme il, il est peu modéré, ça c'est un fait, mais c'est un romantique, on l'a dit, et c'est quelqu'un qui se jette. Totalement dans ce qu'il écrit. Alors évidemment, ça ne, ça ne prédispose pas aux mesures et aux balancements circonspects. C'est le moins qu'on puisse un, dire. Ça n'est pas un modéré, ça n'est pas un homme du second degré. Pas un tiède, hein, c'est le mmh. moins qu'on puisse dire. Alors, quels sont. Est-ce qu'on peut, comme ça, c'est très difficile ce que je vous demande, mais est-ce qu'on peut euh, résumer les grands tropismes de, de Michelet D'abord, toujours une, une sorte de faveur donnée aux protestants à partir du moment où la réforme s'exprime au XVe siècle. Hein bon, je suis heureux que vous preniez cet, cet exemple qui me concerne <laughs> personnellement. Mais en effet. Euh... Le jaillissement de la Renaissance et de la Réforme, qui est lié principalement au livre, les pages de, de Michelet sur la naissance de l'imprimerie, sur la diffusion de l'écrit et sur l'enseignement le, qui a été créé en partie, et certainement pas seulement par eux, par les protestants en Grande-Bretagne, en France, par Calvin à Genève, etc., l'a beaucoup saisi. Peut-être parce qu'il est fils d'imprimeur, peut-être parce qu'il a vu là, au fond, ce que l'Europe. La civilisation européenne à laquelle les est si sensible, et les Françaises en particulier, aurait pu devenir, par cette floraison de la réforme et de la renaissance, si la monarchie absolue, c'est-à-dire l'alliance de l'autel et du sable, l'alliance la, du trône et de l'hôtel, n'avait pas enseveli la société française et les potentialités qu'elle avait jusqu'à la conduire à la, à la révolution dans une espèce de morne plaine, agrémentée voilà. ici, ici par Versailles, là par autre chose, mais qui a écrasé ce jaillissement de la réforme. Avec une fascination pour une sorte de personnalité euh, virtuelle, qui est le peuple en action, en quelque sorte, et en constitution, un peuple que certains maltraitent, que d'autres mettent en avant, et en fonction de l'attitude des différents souverains ou ministres par rapport à ce peuple, ils sont bien ou mal jugés par le, par le grand inquisiteur Michelet. Peuple, ça a été son mot d'ordre et son obsession. Il s'est voulu peuple. Peuple est un mot qui euh, chante plus qu'il ne parle ou qui promet plus qu'il ne tient. Mais il a voulu inclure là-dedans, dans ce mot de peuple, l'ensemble des composantes de la société française. Ce n'est pas un historien des classes comme l'a été même Guizot et naturellement Marx. C'est quelqu'un qui globalise, qui prend la société, qui prend l'histoire dans toutes ses dimensions et qui en fait au fond un corps. C'est le corps de la nation, c'est le peuple. Et ce peuple. Il voudrait le rejoindre. Et il a des pages déchirantes en disant Le peuple, c'est moi, mais la langue du peuple, je ne parviens pas à la retrouver. Je n'arrive pas à parler peuple, car le peuple, jusqu'au XVIIIe siècle, ne parle pas. Eh oui, le peuple n'a pas la parole. Il la lui donne d'une certaine manière à titre rétrospectif. Et la parole qu'il lui donne et la langue qu'il lui confie sont tout simplement somptueuses. Et ça, c'est un aspect évidemment sur lequel on n'insistera jamais assez. C'est l'immense styliste qu'a pu être, euh, qu'a pu être Michelet lors du dernier ouvrage que je, que j'écrivais. Là, je me suis replongé évidemment dans les deux tomes de l'histoire de France qui correspondent. Et je suis comme à chaque fois, j'y vais euh, de manière euh, détachée en me disant il faut que je prenne quelques éléments et je me Complètement emporté, happé, attiré littéralement par cette, par ce flot d'expression. De... Il a un sens notamment effarant de l'ellipse. Il oublie des parties entières de phrases, peu importe, et l'on comprend quand même ce que ça veut dire. On a l'impression même qu'il est capable de faire, re, euh, vous savez, de faire sauter, la... il fait faire à la langue des espèces de sauts périlleux et il retombe sur ses pieds. Tout ça est éblouissant. Ça fait penser un peu à Saint-Simon, mais un Saint-Simon qui aurait la, la puissance de feu d'un Flaubert, d'une certaine manière c'est un alliage, en effet, qui. Euh, on a le sentiment que Michelet dit son texte. C'est-à-dire qu'il a ses notes et qu'il compte. Et ce, ses auditeurs, même ceux qui n'étaient pas favorables à ses idées, ont un souvenir inoubliable des leçons données par Michelet à l'école normale supérieure. Il se mettait, raconte-t-il, de, de, debout devant la cheminée, et pendant deux heures, trois heures, il nous disait, il nous ressuscitait, il incorporait. J'ose cette métaphore comme le Christ, il incorporait l'histoire de France, comme le Christ incorporait la divinité, pour la rendre à ses élèves. Et ce spectacle que Jules Simon, que Victor Duruy, que quelques autres ont vu et entendu, ils n'ont jamais pu l'oublier. Alors quels ont été ses professeurs, ses amis et ses nombreux disciples C'est ce que nous voyons dans un instant à travers peut-être aussi le regard de Lucien Fèvre, qui a été, comme vous l'avez dit, son assez lointain successeur au Collège de France. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez de Jules Michelet, le père de l'histoire de France, avec votre invité, Laurent Tess, historien et éditeur. Alors, Laurent Theis, parlons un peu de ces cours qu'au Collège de France, justement, Lucien Fèvre, le grand homme des Annales, bien sûr, a écrit, euh, enfin, a écrit et prononcé en, en hommage à Michelet. Le cours de 1943, parce qu'on est en pleine occupation, le cours de 1943-1944, nous dit Yann Potin dans euh, l'avant-propos de la publication de, de ces cours. Est un acte engagé situé à la veille des affrontements de la libération. En analysant à travers l'œuvre de Jules Michelet l'invention de ce qu'on appellerait aujourd'hui le roman national au cours du premier 19e siècle, Fèvre distille un message de libération et de rejet d'une génération du sentiment national au cœur même d'un Paris encore occupé. Eh oui, c'est-à-dire que euh, euh, Lucien Fèvre est toujours sur sa grande question comment expliquer ce qui s'est passé, n'est-ce pas Comment revenir sur, euh, sur, euh, sur l'effondrement de, de 1939 et, et comment comment résister peut-être d'une certaine manière Est-ce que est qu'on peut dire que pour lui, Michelet était un, un modèle de résistance C'est peut-être j'ai lu avec passion l'ouvre le, le cours de, de Lucien Fèvre. C'est pas, pas sa limite en même temps. Qui n'existe, qui ont été redécouverts. Oui, que voilà. personne n'avait entendu, sauf les trente personnes qui se trouvaient là et qui venaient se chauffer au Collège de France dans cet hiver glacé. Alors, on ne peut pas dire que Lucien Fèvre savait, en décembre 1943, ce qu'il allait advenir euh, du sort de l'Europe en général, et de celui de la France en particulier. Mais il est certain qu'il a voulu présenter à ses auditeurs, et peut-être aussi à lui-même, qui avait fait le choix non pas de l'accommodement avec l'occupant, mais de l'accommodation avec l'histoire alors que son cher ami Marc Bloch avait choisi lui la résistance active et avait été et a été fusillé en 1944 je crois qu'il a voulu montrer que l'histoire de France était pérenne et que les incidents les accidents les tragédies comme l'effondrement de 1940 et le régime de Vichy et l'occupation qui se sont ensuivis ne marquaient pas la fin de toute chose et que notamment dans cette Europe nazie Barbare, séduisante aussi par quelques points, eh bien, ça n'était pas le dernier mot euh, de la France. Que la France avait une âme, que la France avait un destin, et qu'en dépit des vicissitudes, elle surmontrait ses épreuves, comme Michelet lui-même l'avait montré sur 1500 ans d'histoire de France. Ce recours à Michelet est une forme de thérapie, en même temps que ce cours est un cours naturellement savant. Oui, informé, bien sûr. Bien sûr. Mais il pas, ça n'est pas vain, si Il n'est euh, pas hors contexte. En 1942-43 et 43-44, Lucien Ferre a choisi Jules Michelet et, pas, et personne d'autre, ni un autre thème, pour s'intéresser euh, euh, comme sujet de son cours au Collège de France. Bien entendu. Euh, et on le retrouve d'ailleurs aussi dans des articles, des, des annales qui ont continué de paraître sous une forme ou sous une autre pendant l'occupation. Alors vous êtes, vous, le biographe de Guizot. Vous nous avez parlé de cette traversée d'un siècle par euh, Guizot, édité aux éditions du CNRS. Guizot, autre grand historien, bien entendu. Il aurait fallu qu'on parle de Thiers, il aurait fallu qu'on parle ensuite de la Vis, qui va prendre la suite. Ce sont les grands historiens du 19e siècle, bien sûr. C'est Chateaubriand qui a ouvert la bande. C'est lui qui a dit, je ne sais plus quand, 19, 1820 à peu près, ce siècle est voué à l'histoire. Tout est historique. La poésie, Victor Hugo, On la était après la cassure de oui, la Révolution. La chanson, le théâtre, tout ce qui se fait en littérature et en art est historique. Pourquoi les romans d'Alexandre Dumas Pourquoi Parce que la politique, après les grandes heures de la Révolution et après, comment dirais-je, les contraintes de l'Empire, la politique ne paraissait pas pouvoir se jouer sur le terrain où elle se joue habituellement. Et donc, la politique a été réinvestie sur le terrain. Historique. Et c'est là qu'à la fois les espérances des jeunes gens, mais aussi le désir de savoir de ces générations, se sont incarnés. Et parmi ceux-là, François Guizot, d'abord parce qu'il a 10 ans de plus que Michelet, et donc que dès 1812, il est, il est professeur d'histoire, alors que Michelet n'a pas encore débuté, et parce qu'il est. Le premier, on n'est jamais le premier intellectuellement, il faut beaucoup se méfier de dire juste le premier qui, le premier que. Mais il est un de ceux qui, les premiers, voilà. ont voulu <laughs> se saisir de l'histoire dans sa totalité, et c'est lui qui a introduit et développé superbement, je crois, le concept d'histoire de la civilisation. Exactement. L'histoire de la civilisation, dit-il, c'est l'histoire qui est faite de toutes les histoires. Et oui, et c'est en quelque sorte un projet d'histoire globale, déjà, histoire globale, cette histoire totale, et c'est un programme pour Michelet. Voilà, bien entendu. Alors, comment Michelet va-t-il prendre cet ce, héritage ce il, euh, il le fait comme beaucoup d'historiens, ou d'ailleurs d'intellectuels ou, ou autres, par rapport au maître. C'est-à-dire que d'abord, il suit ses traces, il l'encense, il le remercie. D'ailleurs, Guizot fait entièrement sa carrière, le Collège de France, les jours d'honneur, le jour de Neurl, tout. C'est lui qui, le, qui lui dé même débroussaille temps, le terrain. Et en même temps, à un moment. Eh bien, il, il s'écarte de lui pour des raisons politiques. Il trouve que Guizot est trop conservateur, mais aussi parce si qu'il a, a développé lui-même son propre génie. Or, son propre génie n'est pas du tout celui de Guizot. Guizot est un philosophe, c'est un rationaliste, c'est quelqu'un qui regarde, qui pense que la logique est à l'œuvre en histoire et que, euh, au fond, euh, l'histoire est là pour permettre de comprendre la société telle qu'elle nous est advenue. Pour Michelet, vous l'avez magnifiquement montré, il s'agit d'un investissement tout personnel, beaucoup plus imaginatif, beaucoup plus physique qu'intellectuel. Guizot est un intellectuel, il a ses passions. Euh, Michelet est un passionné, il a sa logique. Et bien sûr. Quels vont être les élèves Parce que ça, ce sont les inspirations. Quels sont les élèves de, de Michelet Alors, il y a la première génération, qui est principalement Victor Duruy. Qui, qui pose au fond, qui, qui, pose, qui est la deuxième et, ou troisième grande génération d'auteurs de, de manuels. Qui dirigera l'instruction publique plus tard Qui dirigera hein. sous le Second Empire l'instruction publique. Euh, il y a également quelqu'un qu'on a un peu oublié, mais qui a été un passeur tout à fait extraordinaire, qui s'appelle Gabriel Monod, qui est le fondateur de la Revue historique. C'est ce qu'on appelle un positiviste, c'est-à-dire un pur savant, et en même temps, il est animé par le génie de Michelet il se rend compte que la science dure doit être au service, elle ne prend sens que dans une vision plus globale. Donc il est. Je dirais meilleur historien que Michelet, bien qu'il soit un cran au-dessous, mais en même temps, il est habité par cet esprit. Euh, et ce qui est également, euh, a des pages magnifiques sur, euh, sur Michelet. Et chacun de ces, de ces messieurs, chacun de ces historiens dit Ne nous épuisons pas, ne nous abaissons pas à critiquer Michelet. Il faut prendre Michelet tel qu'il est. Bon C'est un continent. Mais bien sûr. Euh, on n'est pas obligé d'y adhérer à chaque instant, mais personne ayant ouvert Michelet. Ne peut, ne peut ne pas s'y laisser prendre pour de bonnes raisons. Petit, maman me lisait des passages de l'Histoire de France de Jules Michelet avant de dormir, écrit Jean seb sur Twitter. C'est ce qui m'a donné le goût de l'Histoire. Voyez que c'est et c'est vrai qu'il y a chez Michelet cette justesse, même s'il se trompe parfois, cette intuition extraordinaire qu'il puise aux sources même de la vie. N'oublions pas, c'est peut-être le mot à retenir. La vie a une condition souveraine et bien exigeante, écrivait-il en, en prologue à son Histoire de France. Elle n'est véritablement la vie qu'autant qu'elle est complète. Ses organes sont tous solidaires et ils n'agissent que d'ensemble. Nos fonctions se lient, se supposent l'une l'autre. Qu'une seule manque et rien ne vit plus. On croyait autrefois pouvoir par le scalpel isolé suivre à part chacun de nos systèmes. Cela ne se peut pas car tout influe sur tout et Michelet influe sur notre perception du passé. Europe 1, au coeur de Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Irène. Envoyée via le site internet d'Europe 1, elle aimerait que vous reveniez sur les origines de la serrure car elle est professeure d'histoire et elle n'a pas réussi à répondre à ses élèves de la serrure ou disons de la clé, hein, parce que généralement l'une ne va pas sans l'autre. Euh, il faut Je vous renvoie d'ailleurs au musée de la serrurerie dans le quatrième, qui est tout à fait passionnant, qui est magnifique même. Alors, cette clé, elle naît par définition avec la propriété, donc avec la sédentarisation, avec le néolithique, on retrouve des systèmes de fermeture, comme par hasard, en 3000, 4000 avant notre ère, au moment de la naissance des grands empires. Et les Égyptiens, notamment, euh, avaient inventé le verrou à loquet tombant. On en trouvera un peu partout, d'ailleurs, hein, sur l'ensemble de... de L'arc fertile, il faut attendre cependant le quatrième siècle avant notre ère pour que la clé en métal, telle qu'on la connaît, la clé de bronze ou de cuivre, euh, entre dans, le, dans la pratique. C'est très utile pour les archéologues. Ça permet souvent de dater un certain nombre d'événements. Euh, quand vous avez, quand vous trouvez une clé, généralement vous pouvez la dater à 20 ou 30 ans presque. Et très très utile et pratique. Donc ça, c'est la Grèce, euh, Rome. Alors évidemment, qui en fait un très grand usage. Et puis la serrurerie va devenir ce qu'on appelle le quatrième art au XVIIe siècle avec ses extraordinaires systèmes de serrurerie. Très sophistiqué. Rappelez-vous, le goût du roi Louis XVI pour, ce, pour ce, cette serrurerie, ce n'était pas une serrurerie toute simple. Hein. Il est, le qu'aimait Louis XVI, c'était justement les systèmes complexes. Alors, on a fait que les raffiner par la suite, au 19e, bien sûr, au 20e, et euh, on a maintenant, alors maintenant, on est passé au cadran en combinaison et aux reconnaissances digitales, et même oculaires, je, je ne m'abuse. Bon, ça, c'est autre chose, c'est un autre système de clés. J'espère avoir répondu à notre auditrice et qu'elle pourra donner la réponse à ses, à ses élèves très vite. Un mot sur les ouvrages dont j'ai parlé aujourd'hui. Le Guizot de Laurentaise est aux éditions du CNRS et puis ses cours de Lucien Fèvre, Michelet créateur de l'Histoire de France, euh, c'est euh, édité, euh, si je ne m'abuse, à la librairie Vuibert.